Mais si la réussite c'était facile, si le bonheur était facile, ça se saurait et tout le monde serait heureux, tout le monde aurait la facilité, ça serait facile, tout le monde le ferait. Et c'est là où les gens vont dire, ouais, mais de toute manière, je ne suis pas assez diplômé, je n'habitais pas dans le bon pays, pas dans la bonne ville, il y avait trop de taxes, j'avais pas d'argent, j'avais pas de diplôme, j'étais trop grand, trop petit, trop jaune, trop vert, trop noir, trop... Et au bout d'un moment, à 70-80 ans, ils comprennent très très vite qu'ils se sont mentis à eux-mêmes. Que tu habites au Burkina Faso, à Ouagadougou, ou aux États-Unis à New York, c'est certain que le niveau de vie n'a rien à voir. L'un des plus pauvres pays au monde et l'un des plus riches pays au monde. Oui, et alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand t'es né au Burkina Faso, à Ouaga, tu es né à Ouaga ou au barrage de Komsilga, un petit peu plus au nord. Tu fais quoi? Tu pleures? Non. Tu fais en sorte d'élever ton niveau de vie par rapport au reste de la population. Et c'est pas l'argent qui va développer ça. C'est votre mental. Il faut pas d'argent pour faire de l'argent. Il faut du courage. Il faut pas d'argent pour être heureux. Ça demande du courage.